Ça, chef-d'œuvre. C'est un classique des classiques. Je ne vous raconte pas l'histoire. C'est le portrait de la femme la plus abominable qui ait jamais été écrit dans la littérature universelle et mondiale. Ça s'appelle Le destin de Mr. Crump. Vous allez voir comment une femme peut être absolument. Quand on dit que l'homme est le sexe fort, là, les enfants, vous allez douter fortement de cette expression. C'est absolument diabolique, machiavélique, psychologiquement insupportable. C'est une horreur. Mais c'est un chef-d'œuvre vraiment universel, contemporain, alors que ça a beaucoup d'années, ça n'a pas vieilli, vous n'en sortez pas indemne. Ça s'appelle Le destin de Mr. Crump, c'est de Ludwig Levinson, c'est chez Libretto.